see me now, what would you think? Fast. Whether this can come in time to prepare for the melt that this summer's expected revenue. Bienvenue dans Cthulhu for President, sixième partie. Voici un film avec un titre pour le moins explicite. Cthulhu est une production américaine de 2007. Comme Dagon, c'est une adaptation de la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth. C'est un film à très petit budget, mais malgré ça, on peut en dire deux très bonnes choses. Premièrement, la photographie est superbe. Il est en soi bien réalisé. Mais surtout, le réalisateur a compris quelque chose de très important. Si vous n'avez pas les moyens de faire un monstre crédible, surtout ne le montrez pas. C'est exactement ce qui se passe dans ce film. D'un autre côté, ça veut dire qu'on n'a jamais rien de concret à se mettre sous la dent. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Le seul moment où on voit vaguement quelque chose de surnaturel est donc la meilleure scène du film pour moi. D'autant plus qu'elle est assez effrayante. Le personnage principal, perdu et désorienté, se retrouve à devoir s'éclairer au flash de son appareil photo. Concernant l'histoire proprement dite, nous avons un héros assez peu engageant à mon goût. Russell Marsh, t'es encore un Marsh comme par hasard, vient d'un petit village perdu de l'Oregon. Il s'en est vite enfoui, car sa famille conservatrice désapprouvait son homosexualité. Mais il doit y retourner pour assister à l'enterrement de sa mère, et c'est là qu'il découvre les phénomènes étranges du village et le complot de l'ordre de Dagon. On retrouve même l'indispensable scène du vieil alcoolique qui en dit plus qu'il ne devrait. They came out of the sea and killed lots of people. You know what a Shoggoth is? You ever hear of it? They come back. And everybody goes with them back into the sea! The ape children drowning! Et voilà. Je n'ai pas tellement plus à en dire sur ce film. Je n'ai pas envie de spoiler vu que quand on ne connaît pas l'histoire, le scénario est la seule chose à laquelle se raccrocher. Mais même pour un néophyte, tout ça reste fort cliché et prévisible. Le poisson ne saute jamais du bocal, si vous me permettez l'expression. J'apprécie la performance de réaliser un film sur Cthulhu avec si peu d'argent. Et le résultat est loin d'être mauvais, mais tout ça reste assez... plat. Donc, pour ceux qui veulent tout voir sur notre sujet, allez-y, regardez-le. Mais pour les autres, je vous conseille plutôt de vous tourner vers Dagon. Le film, pas le culte. Et là-dessus, je vous dis, votez Cthulhu! Oh, it's all right. I can still make a call, but no one's on the line, you know what I mean? Yeah.